ce qui subsiste en notre foi, les œuvres que Jésus-Christ a accomplies sur cette terre. Et quand on voit les guérisons, on est à l'aise. Quand on voit la compassion qu'il avait, on est tout joyeux et ça donne la vertu à notre cœur. Quand nous allons prendre la couleur jaune, cela signifie la compassion que Jésus-Christ avait envers toutes les nations. Ça signifie, quand Jésus-Christ voyait une situation, il avait pitié, il avait le remords. Et la couleur blanche signifie comment Jésus-Christ lui-même s'est donné pour prier. Et tout son corps est devenu éclatant et brillant de la couleur blanche. Pour terminer et être triomphant, avoir la victoire, il verse son sang, qui signifie la purification de nos péchés. Et ce qui nous donne la foi aujourd'hui de pouvoir prêcher Christ dans le monde entier. Passion soit grande pour nous afin que la sécurité totale règne dans ce pays. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te bénir ce matin, mon Père, pour tout ce que tu as fait dans la vie de cette nation, le Togo. Et en ces jours, c'est un privilège pour la jeunesse de pouvoir contenter, mon Père, de ta gloire et de t'élever encore ce matin, Seigneur. Une journée nationale nous est destinée. Alors, Papa, je prie que cette nation, le Togo, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que toi qui es le gouverneur du monde entier, Seigneur, sois le gouverneur du Togo au nom de Jésus. Je prie en faveur des responsables, mon Père, de ce pays. Tu es le premier responsable, le Dieu merveilleux qui gouverne, Seigneur. Donne-le la sagesse, la gloire, la force, l'intelligence, l'esprit de gouvernance, Seigneur, et que ton pays soit en sécurité, au nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Les murailles que tu construis sur Israël, que ces murailles soient construites, mon Père, tout autour de ce pays, Seigneur, pour la gloire de ton nom. La jeunesse, Papa, ils sont entre tes mains. C'est ta merveille. C'est ta gloire, car tu pourrais dire, Seigneur, vous les jeunes, vous êtes braves. Alors Seigneur, conduis-les dans l'espoir et bénis-les Seigneur et qu'ils relèvent les défis Seigneur qui se trouvent sur cette nation
au nom de Jésus, qu'à toi de tout, nous puissions vraiment dire gloire. Merci, papa, que ton nom soit loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.